savoir le score. Mais du coup, voilà, qu'on soit prêt pour le 28, puisque le 28, c'est le retour des joueurs, c'est la semaine prochaine. Il fallait qu'on ait un staff qui soit prêt, qui soit motivé et qui soit dans notre projet et qui nous donne le plus grande chance de pouvoir se maintenir en Ligue 1 rapidement cette année. Donc le timing, il était important et c'est pour ça qu'on a fait, on s'est séparé il y a quelques jours, mais on a anticipé par rapport au process qui est légal français. Donc voilà, il y a une chose. J'ai lu quelques articles qui étaient assez intéressants et qui sont sortis. Et il y a une chose qui est importante et que je voudrais clarifier, c'est que c'est une décision du club. C'est une décision du club qui a été prise, bien sûr en accord avec nos actionnaires, mais c'est une décision que la direction du club, c'est-à-dire François et moi, avons prise de recruter Patrick. Et la chance qu'on a en recrutant Patrick, et François y reviendra, c'est qu'on le connaît parfaitement. On le connaît parfaitement puisqu'il est dans le groupe depuis des années, puisqu'il a performé, et François reviendra. Donc voilà, donc je voulais juste préciser ça, on pourrait revenir sur les questions s'il y en a. François ? Ah déjà ? Ah, je suis rapide. ouais, je vais essayer de ne pas lire trop mes notes. Hein, mais... Non, mais c'est pas, comme l'a dit Aymeric, je vais pas commenter ce qui s'est passé récemment, mais plutôt commenter les choix qu'on a pu faire. Je dirais que c'est jamais facile, entre guillemets, de choisir un entraîneur. Je pense que c'est évident que ça reste un métier particulier, de plus en plus particulier, parce qu'on espère beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'il y a beaucoup d'ambition. Et comme l'a dit Aymeric, l'ambition de cette année, elle est importante de se maintenir, parce qu'elle permet d'avoir une certaine continuité au plus haut niveau et en même temps de continuer à développer le projet que l'actionnaire a mis en place depuis plus de deux saisons maintenant. Je pense que notre objectif, c'était trouver quelqu'un qui était quelque part, qui avait peut-être une certaine capacité à fédérer, à manager des personnalités. On sait très bien que le sport de haut niveau rassemble très souvent des personnalités, des gens qui ont un ego parfois important, ou en tout cas il faut savoir les manager et en même temps être en capacité à les challenger tous les jours, parce que ils ont cette demande quotidienne, être challengé, être poussé vers le haut. Et j'ai apprécié, enfin, je ne sais pas si vous avez regardé une vidéo, mais j'avais apprécié, je l'avais dit à Patrick, j'avais aimé une phrase qu'il avait dite sur un petit reportage qu'on pouvait regarder, mais j'avais lu qu'il voulait permettre à chacun d'être la meilleure version de soi-même. Et ce que je lui avais dit, j'avais trouvé ça fantastique, parce qu'en réalité, c'est ça. Je pense que le sport de haut niveau et notre quotidien à nous, notamment avec les salariés du quotidien, c'est de permettre à chacun d'être la meilleure version de soi-même. C'est ça le management. Et trouver quelqu'un avec un management assez moderne était pour nous l'une des premières exigences dans la recherche. Après, c'est évident, comme on l'a jamais caché, et comme l'actionnaire l'a jamais caché, il y a quand même un sentiment et une volonté d'avoir une certaine signature commune au groupe, avec un jeu. On voit souvent des articles dans les journaux locaux, dans l'Est Éclair, où on parle du City Game. Alors c'est toujours un peu, on a l'impression que ce mot-là est un peu un vocabulaire un peu bizarre, mais d'avoir, c'est une forme de signature qui existe, qui a été développée depuis de nombreuses années. Et il faut aussi avoir une personne qui a l'opportunité et la capacité à développer ces idées-là, ces principes de jeu, cette signature. Et pour nous, c'était important dans le choix de l'entraîneur de trouver quelqu'un qui avait cette connaissance, ou en tout cas ces aptitudes à le faire. Bien évidemment, faire progresser les individualités, parce que faire progresser les individualités, c'est aussi le projet. Pas dire le contraire. On a aussi la chance d'avoir des jeunes aussi de qualité au centre et pouvoir les intégrer au fur et à mesure et dans les années à venir. Pour nous, c'est aussi important. Et puis, je pense qu'il y avait une troisième chose qu'on discute tout le temps avec l'actionnaire et avec Emery, c'est de développer la culture du haut niveau à l'intérieur du club. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le passé. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites depuis l'arrivée du nouvel actionnaire, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, pour permettre justement à l'Estac d'être un club de haut niveau et dans lequel on peut y vivre la culture du sport de haut niveau, dans lequel on peut participer quotidiennement
encore une fois, je reviens à cette phrase, à donner, à être la meilleure version de soi-même. Ça aussi, il faut créer cette culture-là. Et je pense que c'est une des choses sur lesquelles on avait envie d'appuyer, d'aller un peu plus vite. Et pour nous, c'était le choix de l'entraîneur devait répondre un petit peu à ces critères-là. Alors, comme l'a dit Aymeric, j'ai trouvé assez amusant aussi, les articles qui ont pu être faits dans les journaux. Le choix d'une personne, non, en fait, il n'y a pas un choix. Je pense qu'il y a déjà, dans un premier temps, il y a des gens qui sont sur place, qui évaluent quotidiennement ce qui est fait et qui évaluent quotidiennement les besoins qu'il peut y avoir dans le club et qui définissent le besoin. Eh bien, on a un actionnaire avec lequel on doit travailler, avec lequel on est supporté au quotidien. Donc, c'est normal et on en est très heureux d'ailleurs d'avoir ce support quotidiennement. Mais pour nous, c'était important de faire aussi notre choix, de répondre à notre besoin, à nos envies. Et ce qu'on a fait, alors j'ai lu qu'on avait regardé des noms, qu'on avait rencontré. Pour être très honnête, en fait, on a rencontré personne. Parce que Patrick a été quelque part une évidence. C'est quelqu'un qui est depuis un long moment dans le groupe, qui a eu la chance de travailler sous la responsabilité aussi d'Eric, avec lequel on pouvait échanger, non pas récemment, mais l'année dernière. On pouvait échanger quotidiennement avec les gens du groupe sur qui était aussi l'entraîneur qui était dans le groupe et qui pouvait demain, parce qu'il faut toujours réfléchir à demain. Et en fait, on a eu cette opportunité-là. Je pense qu'il s'est offerte directement et on n'a jamais hésité sur le fait de choisir Patrick parce que, comme on l'a dit, il a un management, en tout cas, qu'on apprécie et qui, j'en suis persuadé, challengera tous les jours les joueurs, permettra à chacun d'être le meilleur et d'être poussé au-delà de ses limites, mais aussi qu'il y avait une véritable maîtrise, une véritable connaissance, qu'il y avait une certaine forme d'expertise du projet de jeu qui a été développé et en même temps, son expérience au plus haut niveau, je pense, aussi parle pour lui, avec les clubs qu'il a pu faire, notamment en Angleterre, que ce soit à Leeds, et je ne me trompe pas, à Leeds et à Leicester, qu'on rencontrera notamment, mais donc, qui est plutôt d'ailleurs quelque chose d'assez amusant, que c'est notre premier match amical, et ça sera son premier match amical. Donc voilà, en fait, quand on voyait un peu, quand on mettait toutes les choses bout à bout, ça nous paraissait d'être une évidence, et pas une évidence pour l'actionnaire, mais une évidence pour nous-mêmes, parce que on avait la possibilité de recruter quelqu'un qui allait aussi nous correspondre et qui allait apporter une autre vision. Il vient, je ne sais pas combien il y a de kilomètres, mais il a fait un voyage de 25 heures, il amènera sa culture. C'est aussi une bonne chose pour nous. Je pense qu'on avait aussi ce besoin-là d'apporter des idées nouvelles, de pouvoir se confronter à d'autres horizons. Ouais, je pense que c'était un choix qui était évident pour nous. Je vois que tu veux réagir. Non ? Non, j'irai à la fin. Ah d'accord, ok. Donc voilà, voilà un peu comment on a pensé. La pensée, elle n'est pas venue au-dessus, elle n'est pas venue d'en dessous, elle est venue d'une évidence qui a été dans un premier temps réfléchie en interne avec Aymeric et les gens qui nous accompagnent tous les jours, et bien évidemment qui est supporté par l'actionnaire. Et c'est normal parce qu'encore une fois, c'est lui qui est dans le quotidien et qui est à l'origine de ce projet. Donc un choix ne peut pas se faire sans lui. Mais il se fait surtout avec nous et qu'il faut assumer. D'ailleurs, on est très heureux d'assumer et d'accueillir Patrick maintenant pour nous aider à remplir nos objectifs. Donc voilà. Juste pour compléter sa venue, parce que je pense que ça c'est important. Il sera. Il y a deux autres personnes qui vont le rejoindre. Ils sont là-bas. Au fond, à gauche. Ralph et Georges. Qui sont là-bas derrière, qu'on va officialiser, je dirais, juste après, mais qu'on voulait se permettre de les présenter lors de la conférence de presse. On ira un peu plus loin dans l'organisation du staff la semaine prochaine, mais voilà, il sera accompagné de nouvelles personnes dès à présent pour, encore une fois, pour remplir cette mission. Okay. Bonjour à tous, et je suis content d'être ici. J'espère parler français, bien étant, mais j'ai vu parler anglais, maintenant, désolé. Merci à tous. Very good French. Good, okay. Pour la traduction, Maxime, pas la traduction.
Jacques, on peut peut-être commencer par les questions, comme ça sera plus simple pour lui. Tu veux faire les questions? You want to say some words about your arrival, or you wait for the question? It's up to whoever wants to the question. Juste pour reprendre ce qu'a dit François, le mot challenge, c'est le mot que j'ai le plus entendu de la part de Patrick depuis que je l'ai rencontré. Donc c'est un homme de challenge. Vous allez voir qu'il a du caractère, du charisme, et quand il vous serre la main, il a qu'à 102 en plus. Donc il a vraiment, voilà, ça résume sa personnalité. Je suis obligé de, j'arrête de lui serrer la main maintenant. Mais voilà, on est très contents, et les premiers jours qu'on a ensemble, au-delà de la compétence professionnelle, c'est aussi quelqu'un avec qui on s'entend très facilement et c'est très agréable. Mais en fait, c'est comme je l'ai dit, on parle, pour être très honnête, on parle de Patrick depuis déjà depuis la saison dernière, pas que Patrick allait rejoindre le club de l'Estac la saison dernière, mais parce qu'on s'intéresse toujours aux gens qui sont à l'intérieur du groupe et sur lequel on peut réfléchir par la suite, donc. Alors, bien sûr. J'assume. Enfin, nous assumons pleinement le fait de faire ce choix-là. Et comme on le fait tout le temps, on discute avec les gens qui ont cette connexion-là. Discuter avec Eric de Patrick, c'est normal parce qu'il a eu la chance de l'avoir sous ses ordres et qu'il connaît très bien automatiquement, mais c'est aussi bien d'avoir l'idée de Brian, parce que Brian voyage et qu'il a l'opportunité de connaître les personnes. Après, l'objectif, c'est que ces gens-là, à un moment donné, puissent nous donner leur vision, leurs idées, et à nous de prendre la meilleure décision possible pour le projet du club. Donc, le choix qui a été fait par nous en interne avec Emeric. Et bien évidemment, il a été aidé, il a été supporté par les gens qui ont aussi une bonne connaissance des personnes. En fait, je pense qu'il faut qu'on parallélise un petit peu la structure du City Football Group avec la structure d'un grand groupe. Et dans chaque grand groupe, quand il y a des talents, on les identifie. Donc ce talent, il était déjà identifié depuis très très longtemps. Donc nous, on a la chance d'avoir une structure chez CFJ qui est complètement différente de la plupart des clubs. Et ça nous permet en fait d'identifier les talents, à la fois les talents sur la partie administrative et business, hein. À la fois les talents joueurs, mais aussi les talents entraîneurs. Donc Patrick, il est déjà identifié dans le groupe comme un talent depuis des mois, voire des années. Donc en fait, cette chance-là, nous on le sait déjà, comme tu le disais, depuis très longtemps. C'est déjà un profil qui est apparu à plusieurs reprises, qu'on a eu le temps en plus d'étudier, voir les résultats. Nous, on a des réunions toutes les semaines avec les présidents, moi avec tous les présidents des clubs. Donc forcément, qu'on se parle de nos problématiques qui sont parfois business, parfois sportives, et du coup forcément qu'on parle de nos talents, et il en fait partie, et on est très fiers qu'il ait accepté de rejoindre les stacks. Si c'est un talent qui a été identifié, on imagine que certainement lorsque vous êtes séparé de Romain Zès, son nom était déjà apparu sur une liste. On a bien sûr discuté de Patrick à ce moment là Maintenant, on avait jugé que pour le mois de janvier 2022, ouais, on est ouais. toujours en 2022 d'ailleurs, ouais. Le meilleur choix était peut-être, dans un premier temps, un choix local, je dirais. Quelqu'un qui connaissait l'environnement français et le championnat français. Donc, ce qui a été aussi un bon choix parce qu'on a obtenu, je dirais, le résultat qu'on souhaitait. Maintenant, dans l'autre étape qu'on a envie d'avoir, et c'est une étape supplémentaire dans laquelle il faut aussi d'autres choses, d'autres compétences, d'autres... Ouais. Ouais, je pense que le timing n'était pas le même non plus. Quand on a eu les discussions avec Laurent, c'était sur quelques jours. Donc en fait, le choix, il était plus contraint, on va dire. Et là justement, en fait, la décision qui était prise en termes de timing, et alors qui est vraiment là, une décision à 190% ici, c'est de le faire aussi potentiellement avant Brest. Et pourquoi? Pas pour
avoir forcément un impact sportif, mais pour pouvoir voir les joueurs dans les yeux, leur dire, voir les gens, le staff, parce que quand on s'est séparé avec Laurent, on a appris aux joueurs qu'on se séparait de l'entraîneur, pas en physique. Et c'était important pour nous d'expliquer de manière très claire, à la fois pour nos salariés et pour nos joueurs et notre staff, pourquoi on avait pris cette décision, mais responsabiliser tout le monde. Et le premier à s'être responsabilisé, c'est ce que les premiers mots que j'ai dit, c'est François et moi, on se responsabilise sur ça. Mais vous êtes aussi responsables, les joueurs, tout le staff et tout le club est responsable. Voilà. Et le fait de le faire dans les yeux, de l'expliquer, potentiellement de prendre parfois du temps avec certains joueurs, c'était important parce que c'est ce dont on a souffert l'année dernière au moment du remplacement de Laurent. Non, au moment où on l'a choisi, on l'avait déjà dans la liste, comme il l'a expliqué François. On a estimé qu'à ce moment-là, la solution de Bruno, c'était la meilleure. Et en tout cas, sur les résultats qu'on a eus et qui était l'objectif numéro un, c'était le maintien l'année dernière, on l'a atteint. Et vous avez parlé pour le premier coach précédent d'un profil plus local. Est-ce que cette fois-ci, un coach étranger, ce choix-là est renforcé par l'internationalisation de l'effectif ? Pas du tout. On a pris en fait le coach qui correspondait au projet qu'on a, au projet de jeu, à sa personnalité, à sa manière de gérer, comme l'a dit François tout à l'heure. Donc on a pris le meilleur coach pour le projet Stack au moment actuel. Au-delà du City Game, on a le sentiment quand on regarde les équipes passer de Melbourne de jouer, on voit justement du beau jeu. C'est ce qui manquait un petit peu ces derniers mois du côté de. When we look at your games, Patrick, when you was at Melbourne, we see that the beautiful style way of playing. We see beautiful things on the pitch, beautiful actions. Can you react about that? Yeah. Obviously, we are obviously part of being the City Group. We have a style of play, and we introduced this in Melbourne. But you must understand, it takes time. I've been there 4 years, 2.5 years as head coach. So this type of play, it doesn't happen overnight. It's a process of improving every day. And then eventually you get the product. Bien sûr, faire partie du City Group, c'est aussi instaurer un style de jeu et mettre en place un style de jeu particulier. C'est ce que j'ai tenté de faire à Melbourne, mais il faut savoir que cela prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire en une soirée, et c'est pour cela qu'en plusieurs années, j'ai pu mettre en place certaines choses lorsque j'y étais coach. C'est le moment idéal, justement, de venir comme ça, dans une sorte de trêve, de mini trêve estivale qui se déroule en hiver, finalement, dans cette période de Coupe du Monde, pour commencer à installer, démarrer une nouvelle histoire quelque part. Is it the perfect timing for you to come now because there's the international break and you will have time to make things with the club? Look, I think it's if you look at it, it's a good time because it gives me some time to implement things. It's not a long time, but starting day one, we will work as hard as we can. To improve on the pitch and get better every day. C'est un bon timing car cela me donne du temps pour mettre certaines choses en place. Bien sûr, ce temps est assez court, mine de rien, mais je peux vous garantir que dès le premier jour, nous ferons en sorte de mettre beaucoup de rythme, beaucoup de choses en place et de travailler vraiment dur dès le premier jour. Est-ce qu'il a vu, vous avez vu l'équipe jouer en vidéo jusqu'à présent, quel est votre premier regard sur cette équipe, sur les choses peut-être à travailler, à améliorer dans un premier temps? Have you already seen Estac 3 games before, and what are your first impressions about the games, and do you have already some things in your head to change for the future? Number one, they show the Ligue 1 back in Australia, so we watch the league. I've watched a lot of trois games. Ouais. Vas-y, traduis. Bien sûr, la Ligue 1 était diffusée en Australie, donc j'ai pu voir plusieurs matchs de trois. Also, we have a long flight here, so I had a lot of time
To watch a lot of games. Nous avons eu un voyage très long, donc cela m'a permis de pouvoir regarder de nombreux matchs. I say there is a lot of potential at the club. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment un grand potentiel au sein du club. And I think I believe in the playing group. Je crois en la façon de jouer du groupe de l'équipe. Et aux joueurs. Et aux joueurs. And I won't tell you too much information of how we will play. Je ne vais pas vous divulguer énormément d'informations sur la façon dont on jouera, évidemment, pour le moment. But we will work hard to be our best. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'on va travailler dur pour devenir le meilleur possible. Vous êtes un ancien défenseur. Est-ce que de voir que l'équipe que vous allez coacher, c'est qui un but chaque match cette saison ne compte aucun clean sheet, est-ce que vous avez déjà pensé à comment vous allez régler ce problème? You, as a professional player, you was playing center back. Estac is one of the teams that have conceded the most goals since the beginning of the season, including no clean sheet. Are you going to work specifically on this aspect, and what is your reaction about that? Yeah, it's a break, so we have time to analyze the situation. C'est la trêve, on a encore le temps d'analyser ces situations. But we will defend from the front. Mais on va commencer par défendre avec nos attaquants. L'attaque sera notre première défense. À mes cours, vous avez eu un parcours linéaire, en passant par les jeunes, par les femmes, ensuite adjoint chez les seniors, et puis coach senior. C'est l'exemple type de la formation que demande Citigroup. In Melbourne, you was first training with the academy, then with the women team, then with the you have been assistant for the professional team, and then the head coach. Is it the perfect way to do it as a coach? Is it the perfect way? I don't know what perfect is, but I think in everything you do. Je ne sais pas si c'est la manière parfaite de faire le parcours, mais je pense que. You must do your due diligence and make your way up the ranks to be better and better. Je pense que c'est la façon dont cela procède. On commence petit à petit et on montre qu'on est capable de grandir, d'évoluer. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. And it might be a funny saying, but a baby has to crawl before it can run. Un petit enfant, un gamin doit grandir avant de pouvoir courir. Sur le schéma tactique, mais l'équipe était installée dans un 5-4-1. Vous êtes plutôt un adepte du 4-2-3-1, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez envie de repasser à 4 défenseurs concrètement? Patrick, you said that you will not give so many informations about the tactical, but the team used to play with 5 defenders the first beginning of the season. Have you already planned to play maybe with 4 defenders? I have a plan in my head. J'ai un plan dans ma tête. We will start this on Monday. Et il commencera dès lundi avec la reprise de l'entraînement. But you will see this on the 28th of December. Mais vous verrez cela le 28 décembre lors de notre prochain match officiel. Est-ce que la préparation physique sera au cœur aussi de cette reprise? Je sais que l'équipe a beaucoup de difficultés à finir ses rencontres depuis quelques mois. Are you going to push the preparation with the physical aspect? Because sometimes the team has some struggles to at the end of the game. Have you already? I think there's more than one aspect in football. There's obviously physical, but there's mental, there's tactical. Je pense qu'il n'y a pas que cet aspect dans le football. Bien sûr, le physique compte, c'en est un, mais il y a aussi la préparation mentale qui est importante. And we work on the collective. Et ce que je veux aussi souligner, c'est que le travail à faire avec notre collectif est important. To always improve. Pour toujours aller de l'avant et s'améliorer. Et la tactique aussi. Et la tactique aussi est une part importante du travail. Vous avez parlé de votre parcours. C'est la première fois que vous quittez l'Australie pour devenir entraîneur dans un autre pays. Est-ce qu'il y a une forme de stress, d'appréhension, d'envie de prouver? J'ai vu que vous disiez cela dans une vidéo sur... This is the first time you're going to leave Australia to
to be a coach in Europe, especially in France. Is it an easy decision to make, and how can you manage to handle the pressure? Is it an easy decision? Is it an easy decision for you? Was it easy decision for you to come to France to make the move? It was. Oui, je pense que c'était une décision simple à prendre. But the pressure for me is I put more pressure on myself than anyone else. Je me mets beaucoup de pression sur moi-même plus que sur n'importe qui. Et je me concentre sur moi-même, en fait. Avez-vous envisagé l'échec, parce que vous qui avez toujours réussi? Have you ever think about failing? Because when we see your journey, you never fail in your journey. Have you ever think about that? You must fail to grow. On doit parfois perdre des matchs pour grandir et aussi avoir des échecs pour grandir. And you know, every day you make mistakes. Tous les jours, chacun fait des erreurs. But that's how you get better, to learn. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Donc non, je n'ai pas peur de cela. Et puis, enfin, je pense qu'il faut aussi y apporter. On manage pas le club et le club il est pas géré par rapport à l'échec. Il est géré par rapport au travail et à ce qui est développé au quotidien. Donc on juge pas, on va pas juger l'échec qui est réalisé par chacun d'entre nous, mais plutôt par le travail qui est développé et qui est fait et le fait que le club puisse continuer tous les jours à grandir. Ouais, une fois de plus, le niveau d'excellence, c'est ce qu'on essaie d'avoir. Faut savoir que, je le répète à chaque conférence de presse, Rome ne s'est pas fait en un jour. Il y a quelques Italiens ici, ils me comprendront. Il y a un gros travail qui a été fait depuis des années, à la fois sur les infrastructures, à la fois sur les personnes, à la fois sur le recrutement des joueurs, à la fois sur le recrutement des jeunes joueurs. Et ça, je pense qu'il faut que cette culture de l'excellence, elle continue. Et une fois de plus, je pense qu'il a vraiment raison. On apprend tous de ses erreurs. On a fait des erreurs. On en a déjà parlé sur les dernières conférences de presse. Et à chaque fois, on essaie de corriger et de s'améliorer. L'année dernière, si vous vous rappelez bien, sur la conférence de presse de janvier ou celle de début de saison, on a assumé les erreurs sur certains joueurs. Et ça nous a permis de faire un meilleur recrutement, à mon sens, sur cette année. Donc voilà, l'échec, c'est important. Et on n'a pas peur d'avoir certains échecs, mais ça nous apportera nos victoires. Est-ce que dans le deal de la venue de Patrick, vous avez parlé Mercato, est-ce qu'il y a une idée, une volonté de faire venir des joueurs qui lui correspondent peut-être plus à son système de jeu au Mercato de janvier? Pour l'instant, de toute façon, nous on anticipe toujours, comme on le dit, il y a des plans A, plan B, plan C, et on se projette. Maintenant, c'est des discussions qui vont avoir lieu. Je pense que la première chose, c'est qu'il audite un petit peu l'équipe et qu'il les sente et qu'il voit les besoins qu'il a. Et ensuite, on discutera durant la préparation de voir s'il y a besoin de faire des ajustements ou non, ou si l'effectif il est de très grande qualité. En tout cas, c'est ce que nous on pense. Mais peut-être il y aura quelques ajustements, et c'est à voir avec Patrick. Mais une fois de plus, il vient à peine d'arriver, il n'a pas encore vu les joueurs. Il a vu les journalistes avant les joueurs. Laissez-le voir les joueurs et ensuite, on verra ça en janvier. Français, on sait que ces causeries sont très importantes encore plus que peut-être d'autres entraîneurs dans son management. Est-ce qu'il y aura un traducteur dans un premier temps, ou est-ce que ça conditionne aussi le recrutement d'un adjoint bilingue? Comme tu veux. C'est pas Patrick Lapin. C'est marrant. Avant de vous rencontrer, il a déjà pris deux cours de français. Donc je pense que l'idée, c'est que rapidement, il parle français. Je pense que vous avez compris, c'est un homme de challenge, quelqu'un qui travaille beaucoup. Il a déjà, je sais pas combien d'heures de français. Ils n'arrêtent pas d'essayer de nous poser des questions, tout le staff, sur quel mot. Donc je pense que rapidement il va parler français. Il faut savoir aussi qu'on a des personnes qui parlent anglais dans le staff, donc on n'a pas de stress, en tout cas sur les premières semaines. Mais on espère que voilà, d'ici même le premier match, il y aura quelques mots qui seront dit en français dans le vestiaire. Donc honnêtement, vu la volonté qu'ils mettent à apprendre le français, ça va aller très vite. What are the main differences between the Australian Championship and the French one, according to you? Obviously, in Australia, we have a salary cap. En Australie, nous avons un montant maximum, nous avons un plafond salarial. And
it is different in terms of the players we are able to work with. Et c'est une manière différente de travailler, de mettre en place les choses. We are in Australia. We are maybe the sixth sport in the country. Peut-être que le football est seulement le sixième sport dans le pays. In France, it's the number one sport. En France, c'est le sport numéro un, pardon. Et yeah. Du coup, c'est. So the talent pool. You have a whole country in Australia. It's very difficult. Il y a différents, de nombreux talents en France, et c'est différent en Australie, car ici le football est le sport numéro un. And the global level of the championship has a different to here to Melbourne. Yeah, okay. Obviously, Troyes is a bigger in terms of a club and organization due to being in obviously one of the top five leagues in the world. Je pense que Troyes est un plus grand club du fait de son organisation, mais aussi de sa position. Elle fait partie d'un des top 5 championnats européens. And the only professional club in the town. Et de le seul club professionnel de la ville. Le seul club professionnel de la ville. Where in Australia, we have three teams in Melbourne. En Australie, nous avons trois équipes à Melbourne. Because there are so many sports in Melbourne, the following is less. Comme il y a beaucoup de sports à Melbourne différents, on suit un petit peu moins le football et les équipes de Melbourne. So I'm very excited to work with our talented squad. C'est pour ça que je suis très excité et heureux de pouvoir travailler avec l'effectif talentueux de l'ESTAC. Do you think that you will be able to do some same tacticals that you had in Australia, in France? Is it possible for you to make it again? Definitely, yes. Like I said, I'm going to play a certain way. And obviously, we have this firm belief within the group, and I believe in this. So if Manchester City can do it, and Melbourne City can do it, Oui, bien sûr. Je sais que je pourrais reproduire certaines choses que j'ai faites à Melbourne ici à Troyes. Il y a un cadre de travail qui est top, et je pense que vraiment je suis confiant là-dessus. Je sais que certaines choses je pourrais les reproduire ici. But this also takes time and it's a process. C'est un long process. Il faut savoir que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, mais je suis confiant là-dessus. Question. Profitez-en. Question à Patrick, à Henri, à François. Pour vous, tout français. Comment? Ça représente quoi pour vous, tout français? What does the French football represent for you? What does it represent? Yeah. 4-1 for France. What, sorry. The World Cup? No. General. Do you have a feeling about French football? In yes. General? Look, you know, I'm my father is Mauritian. Mon père est mauricien. So my mum is Italian. So European football is close to my heart, and it's very big for us. Mon père est mauricien, ma mère est italienne, et le football européen est proche de mon cœur, et c'est pour cela que je l'apprécie. And to be in such a great club, in such a great country, I'm very honored and humble to be here. Je suis vraiment très honoré d'évoluer dans un si grand club, dans un si beau pays, et vraiment c'est tout un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Et très humble. Je suis très humble aussi. Est-ce qu'il considère que Troyes est un tremplin pour sa carrière d'entraîneur? Do you consider your coming to Troyes is a next step up for your career? Is a big step up? I don't look at myself. I look at how can I help the club and the players achieve things at the club. Je ne pense pas vraiment à cela, mais moi, ce que je veux, c'est aider le club, aider ce collectif à grandir. J'ai des objectifs personnels, bien sûr, mais pour le moment, ce n'est pas la priorité. Ma priorité, c'est d'aider le collectif et de continuer à faire le travail qu'a bien fait le club et de l'aider à grandir. And for the town, and for the city. Et aussi pour cette ville, pour
pour Troyes, tout simplement. Je veux vraiment contribuer à faire grandir cette ville et ce club. Eric Mombert, présent dans sa formation. What role Eric Mombert play during your journey in Melbourne and your formation as a coach? Oh, what journey did he play? In which role? Oh, he helped you. Oh, okay. Yeah, so first of all, I was Eric's assistant at Melbourne. Premièrement, j'étais l'assistant d'Eric à Melbourne. And who would ever think a person from France and a person from Australia have a great connection? Et qui aurait pensé à ce moment qu'une personne en France et une autre personne en Australie auraient pu avoir une si bonne connexion? So after working a long time with Eric, he became a mentor. Après avoir travaillé un long moment avec Eric, c'est devenu un mentor pour moi. But more importantly, a best friend. Mais plus important que cela, c'est devenu un très bon ami, un de mes meilleurs amis. Une question d'ordre privé peut-être. Patrick est venu seul ou alors il sera accompagné, je ne sais pas, si sa femme, s'il est marié, ses enfants, sa famille veulent rejoindre. Ok. We see you alone today, but does your family has planned to come already? Yes. My wife and two kids will come hopefully in January. Oui, ma femme et mes deux enfants vont arriver d'ici janvier. And in June, we will all come together. Et en juin, nous viendrons tous ensemble. Ouais, pour préciser, ils viendront en vacances en janvier, le temps de finir leur école, et ensuite en juillet, juin-juillet, rejoindront définitivement Troyes. C'est bon pour tout le monde? Merci. Merci. Je vais faire des photos en